Mamadou Ndoye, vous êtes le secrétaire général de la Ligue démocratique. Sur le plan de la diplomatie, comment voyez-vous un peu l'évolution du Sénégal de Senghor à Macky Sall aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est que en réalité, le Sénégal, sur le plan diplomatique, a eu toujours une position assez privilégiée en Afrique. Mais cette position privilégiée lui vient du temps colonial et du rôle que jouait le Sénégal du temps colonial en tant que centre colonial. Parce que nous étions quand même la capitale de l'Afrique occidentale, nous avions la plus grande université, etc. etc. Enfin, nous étions le centre. Et nous avons donc bâti sur cet héritage-là. Et cet héritage-là a permis au Sénégal de rayonner au-delà du poids même du pays, sur le plan diplomatique. Parce qu'on nous donne une capacité d'influence qui peut être imaginaire ou pas, mais en tout cas, on nous l'accorde. Et déjà, dans ce domaine-là, l'image compte plus que la réalité. Et c'est sur notre image que nous travaillons. Nous avons failli avoir des pertes d'image avec les pitreries d'Ablaye Wade. Ah oui. Ah oui, parce que les différents chefs d'État avec qui je n'étais pas d'accord ont quand même gardé l'image internationale du Sénégal. Senghor, Abdou Diouf, tous ont gardé l'image internationale du Sénégal à un niveau très élevé. Et le Sénégal était respecté de ce point de vue-là, compte tenu de l'image. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des problèmes avec la première alternance et Macky Sall est en train de redonner du crédit à cette image-là compte tenu du rôle qu'il joue au niveau de l'Afrique et du crédit que lui accorde ses pairs. Alors, pour finir, Mamadou Ndoye, et que pensez-vous aujourd'hui de la coupe entre la Chine et le Sénégal en particulier, et la Chine et les États africains en général? Faut-il avoir peur de ce nouvel acteur? Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de la Chine. Je crois qu'à l'heure actuelle, la Chine a énormément d'investissements et l'Afrique peut en profiter. Et pour moi, l'Afrique peut même trouver une opportunité importante avec la Chine, pour la raison suivante. La Chine est l'usine du monde à l'heure actuelle. Parce que la plupart des activités industrielles se passent en Chine. Un pays émergent comme la Chine, lorsque il évolue, arrive un moment où le coût de la main-d'œuvre est de certaines innovations commencent à s'élever. Et les avantages comparatifs qui étaient ceux de la Chine vont décroître. Et ces avantages comparatifs peuvent être transférés en Afrique. Et ce qui peut pousser la Chine dans des domaines où il n'est plus compétitif compte tenu des coûts élevés, de faire un transfert vers l'Afrique. Et pour nous, ça va être un apprentissage extraordinaire qui nous permettrait justement de passer à la transformation efficace et efficiente dont je parlais tout à l'heure et qui nous permettrait de faire le saut. Donc voilà, du point de vue stratégique, comment je vois la relation de l'Afrique avec la Chine, du point de vue stratégique. Alors, quand justement on accorde des prêts, on a sorti d'aucune conditionnalité, alors que les pays occidentaux, nos partenaires traditionnels, conditionnent les prêts à des valeurs comme les droits de l'homme, la démocratie, bon, ce que certains appellent les prêts idéologiques. Bon, est-ce que ça ne pose pas problème? Ça ne me pose pas problème, parce que ces problèmes, c'est à nous de les régler au niveau interne. Ce ne sera jamais réglé de l'extérieur. Les problèmes du droit de l'homme, ce sont nos forces internes, ce sont nos luttes internes qui vont régler ça. Ce n'est pas les puissances occidentales qui vont venir régler ici chez nous les problèmes du droit de l'homme. Il faut construire les forces démocratiques
au sein de notre pays permettant de défendre. Il faut construire une citoyenneté consciente, active, qui s'oppose à tout ce qui est autoritaire. Et c'est ça la clé. Ce n'est pas les Occidentaux qui vont nous amener à la démocratie.